Ces petits paquets remplis de douceur et présentés en plusieurs formats contiennent des bonbons. Ces gammes de produits de Tintimo agroalimentaire se distinguent par une composante, le raftar ou le confrier de Madagascar, une plante aux multiples vertus que les Malgaches utilisent pour prévenir et soigner diverses maladies. Elles sont fabriquées de façon artisanale en mélangeant différents ingrédients comme l'huile essentielle de raftar, le gingembre, la gélatine et le sucre ou le miel selon la variété du produit. Ici, il y a le bonbon avec sucre et il y a aussi le bonbon sans sucre. Il y a le bonbon dur et le bonbon gélatineux. La petite structure qui emploie 8 personnes arrive à garder un rythme de production constante. 4,5 kg de bonbons gélatineux par jour et 15 kg de bonbons durs par jour. Et en pleine crise de Covid en juin 2021, ces bonbons raftar se vendaient comme des petits pains. Sur 3 jours de travail. 150 unité de sac de pack de bonbons, hein, la fournée en une journée. Le pack de 100 grammes se vend à 3500 ariars pour la variété dure et à 4500 ariars pour la variété gélatineuse. Pour Dumuinara Samuelson, propriétaire de Tintimo Agroalimentaire, l'exploitation du raftar l'a sauvée de la banqueroute d'un business de miel qu'elle a monté à Tolagnar vers 2016. L'entrepreneur a suivi des formations pour maîtriser les techniques de fabrication. J'ai essayé de faire une formation en miel élevé. Il y en a dans la confiture, il y en a dans la sauce de douce. Et Dumuinara Samuelson a fait des bonbons raftar, ses produits phares, et continue de perfectionner la qualité de sa production. Mila karazana température, mila efa dia tsonika izy mety ho afaka amin'ny fofony, mety arakaraka les circonstances izany no mampatonga an'io. Les bonbons raftar de Dumuinara Samuelson ont été sélectionnés lors d'un concours organisé par Jovena en 2021. Ces bonbons présentent des avantages, que ce soit dans les ingrédients qui les composent ou dans sa forme de présentation. Au lieu de Les bonbons sont les péchés mignons des enfants. Les bonbons au raftar ne sont toutefois pas conseillés aux moins de 3 ans. Moins de 3 ans, c'était déconseillé, n'a pas plus de 3 ans, il n'y a pas qu'à manger à l'unique. Les bonbons durs à base de caramel de saccharose s'adressent à ceux qui ne craignent pas le sucre et les bonbons moelleux à base de gélatine sont faits pour ceux qui doivent suivre un régime sans sucre et ayant un problème de dentition.